Premier matchmaking, les gars, je joue en 16-9ème. J'ai juste mis ma Saint Simon Crosshair, ça veut dire que je joue en 16-9ème, histoire que le jeu il soit un peu joli, on va découvrir ça. Sensation de shoot, je sais pas, je vais donner mon ressenti. On découvre. Voilà, 2-2, match à mort. Il y a que 2-2 qui est disponible pour le moment sur Counter-Strike 2, les gars. Donc là, on choisit entre CT et Terro, voilà, comme d'habitude. Là, on est en bande organisée, vous voyez, genre assis stylé et tout machin. C'est ça que je vous dis que les skins d'agents vont continuer d'augmenter, hein, parce que là, maintenant, il y a vraiment des effets visuels plus importants. Donc on va voir ce que ça va donner, quoi. Wesh, les gars, vous trouvez dans la description mon site, malexcsgo.fr, où je référence tout le meilleur matos. Oh, misère de... Oh, 2 balles. Oh là 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 là, je suis trop fort. Ok, 5-7, on va voir ce que ça donne. Le shoot... Oh, le one-tap. Je vous dis, le shoot est incroyable. La sensation du shoot est ouf. Quand on regarde comme ça en bas, on voit ses couilles. Donc là, je peux me tirer dans les couilles. Non, je peux pas me tirer dans les couilles. On a l'effet du sang, le jeu touche bien, le tick est incroyable. Le bunny est bizarre. Le bunny est très très bizarre, les gars. Mais c'est bon, je vais tous les torcher, là. Le tick est... Le bunny est très bizarre, par contre. Vous voyez, on a les effets de sang, les lumières, le bruit, tout est bien. La visibilité, on voit bien, là, on a vu le yep direct, là, on décale. Vous voyez, 2 balles, instant. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Là, 2 balles. Non, ça part, ça part. Ça part de ouf. Les sensations sont vraiment bonnes. Ah ouais. Ça m'a mis un gun là. Putain, maintenant en fait je peux acheter, j'ai oublié. Oh putain, ce qu'il vient de prendre, Lumi Skin. Oh, regardez le tab, comment il est clean. Ah, j'ai la WAP. On va sentir la WAP un peu. La WAP est pas mal. Mais attends. La WAP, attendez les gars. Je crois que je suis pas ralenti. Je crois que je suis pas ralenti quand je me déplace à la WAP. J'ai l'impression de me déplacer à la vitesse de normal. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Une bonne visibilité. Le tick est très bon. Ça touche pas mal. Les couleurs vraiment jolies. J'ai un peu d'éclat numérique bien évidemment. Mais les couleurs vraiment jolies. Vous voyez les animations des personnages? Beaucoup plus fluide. Là on a la visu un peu sur le tunnel. On va voir comment on voit. Vous voyez, on voit très très bien. Il y a vraiment... Tout est beaucoup plus clair. Là vous voyez, on le voit. On a vu... Ah non, c'est du sang. Je croyais que j'ai vu une tête. Là on voit pas mal aussi. Vous voyez, les animations, les kits, le spray. Pas... Y a une sensation. Il y a une sensation différente, les gars. Il y a une sensation différente. Chicken. Non, les effets sont vraiment bons. Faudrait que je vois en terreau pour la K. J'essaye juste de voir. Oh là là, j'ai chié. Le spray est pas pareil. Alors autant les 2 balles. Je vous le dis, ça touche 10 fois mieux que CS. Ça touche 10 fois mieux que CS. La sensation du shoot et tout, les effets. Vous voyez là, là, ça part direct dans la tête et tout. Par contre, niveau du spray, vous voyez là, là, je sais pas, je suis pas confiant quand je spray. Alors ça va, mais il y a un truc. Je suis en 16-9ème aussi, j'ai pas l'habitude. Les FPS, les gars. Les FPS, il y a des gens qui m'ont demandé les FPS. Là, je suis à 450 FPS. Donc vous voyez pas la commande parce qu'elle est sur ma caméra. Mais là je suis à 300 FPS. Donc là je suis en deathmatch en plein stream. Et j'ai 380 FPS là. Donc vraiment je vous le dis, il y a vraiment les comment ça s'appelle, les performances du PC sont plutôt bonnes. Ça a l'air plutôt bien optimisé. Le HUD est beau. Le HUD est plutôt beau les gars. Le HUD est joli, très bizarre les HP, j'ai pas l'impression d'être un HP en fait. Vous voyez la balle traçante par contre, dinguerie. Vous voyez là le 2 balles? Là le 2 balles encore? Bah, je vous le dis, quand vous visez, le tick est incroyable, ça touche de fou malade. Mais quand je vous dis ça touche de fou, hein. Vraiment. Et je vous jure que j'ai pas joué les gars depuis... J'ai pas joué depuis 10 jours là à CS. Vous le savez là, j'étais à l'hôpital et tout. Et j'ai pas touché au jeu, j'ai pas touché au PC. Là, le tick est variable. Alors, je l'avais pré-shot, mais le tick est variable. Crully, merci pour les subs, les gars. C'est un tick variable. C'est plus tick 64 ou tick 128. C'est fait pour faire des économies de performance. J'avais fait une vidéo dessus en mode CSGO wishlist. Et j'expliquais dedans. C'est un tick variable. Oh, vraiment ça touche magnifiquement. Vous voyez la visibilité en bas là, le spawn CT et tout. On voit hyper bien. Vous voyez l'animation du saut du mec et tout. Beaucoup plus... Vous voyez comment il se déplace. J'ai l'impression, tu sais, il y a moins l'effet
J'ai l'impression qu'il y a moins l'effet snake. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Salut Scrib, merci pour les subs les gars. Je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez l'effet serpent là? Vous voyez un peu l'effet que je vous dis ou pas sur CS là quand on joue à CS? L'effet de... Le mec il est trop smooth sur la carte et il est injouable et intouchable. Vous voyez de quel effet je vous parle ou pas du tout? J'ai l'impression que là ça le fait pas. La hitbox de dos est mieux. Ouais. Regarde, même au corps en fait. C'est de ça en fait que je parle. Regarde. Là au corps, je sais pas comment expliquer. Mais en fait les mecs ils sont pas là à faire de... Tu vois des, la vague là comme ça là. C'est très dur. Là je l'ai vu, boum, il est parti de mon écran, merci, au revoir. Tu vois, il y a des animations plutôt naturelles, je sais pas comment t'expliquer. Voilà, tu vois, quand il m'a raté, tu sais, les mecs quand ils te ratent à la WAP, après ils sortent leur gun et tout, et t'as l'impression qu'ils vont à droite, à gauche, qu'ils font des tours. Des trucs comme ça. Attends, on va jouer un peu à la WAP. Tous les settings, je suis en par défaut, les gars. Oh là là, le shoot. Non, le shoot est pas mal. La WAP est vraiment bonne. Hein. La WAP, elle a une bonne sensation, les gars. Vous voyez, regardez comment il bouge. Vous voyez, lui, par exemple, très naturel. Très naturel, très cool. Vous voyez, là, je l'ai rafalé. Vous voyez, là, j'ai 20 HP. Regardez, j'ai 20 HP, je le vois pas. Regardez en bas à gauche. Ça, le visuel sur la vie est un peu... Vous voyez, là, le sang et tout, les effets, c'est incroyable. Ouf, tu vois les balles traçantes. Ah, je l'ai eu, ok. Vraiment, les balles traçantes, les effets sonores, tout est bon. Vraiment, tout est bon. J'aime beaucoup, là. Et je dis pas ça en mode suceur, les gars. On n'est pas payé, hein, je vous le dis. Hein. Oh, putain, le spray nul. Qu'est-ce que combien j'ai mis? Ah non, j'ai pas les dégâts. Ah oui, le deagle. Oh, putain, regardez le deagle. Le deagle est incroyable. Regardez le deagle, je vous le dis. J'ai l'impression que c'est le deagle d'1.6 ou de CSS. Regardez. Les effets du deagle. Non, les gars, regardez bien. Ah. Le deagle, il tire droit de ouf. Donc là, on a l'AK. On va voir ce que ça donne, ok. AK-47. Oh, putain de merde, ok. Vous voyez la glagla? Même une petite AK comme ça à 5-8 euros sur CS2, les skins ont un vrai effet, quoi. Vrai effet. Oh non, l'AK, elle est bizarre. Oi, oi, oi. Ils ont changé le spray, non, c'est pas possible. Je crois que la K est pas la même. Hein. Oh là là, elle a un effet de tremblement de ouf. Écoutez-moi, les gars, elle a un effet de tremblement de ouf. J'ai l'impression d'être sur Battlefield, Call of Duty, PUBG. Ok, non, ça va en fait. Non, ça va, j'aime bien en fait. J'avoue, elle est bizarre. Oh non, non, ça vous, c'est de la merde. Je sais pas. C'est bien ou c'est pas bien? Je sais pas. Vous voyez un peu que c'est... Il y a l'animation du recul en fait. Il y a l'animation du recul qui fait chier. Je sais pas, c'est très bizarre. Très très bizarre. On décale. Les décales, tout est fluide. C'est une dinguerie. Je vous jure, c'est une dinguerie. Je vous jure, c'est une dinguerie. Là. Headshot, ok. Allez. Ouais, non, ça touche. Hein. Ça touche. Hein. Je vous le dis, ça touche de ouf. Ça touche de ouf. Ça touche de malade. Oh non, ça tape. La K c'est quelque chose là les gars. Mais elle a un autre effet, vous voyez, je sais pas, c'est très pas mal, hein. C'est très pas mal, je sais pas. Oh, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Par contre j'avoue, au niveau du HUD les potes, oh là là ce qu'il a pris. Allez, un spray. Ouais beau gosse, one tap. Ouais, one tap, beau gosse, la dernière balle. On aime. On n'est pas des joueurs de CS, nous? On n'est pas des joueurs de Counter-Strike, nous? Est-ce qu'on n'aurait pas été élevé dans Counter-Strike, nous? Non, tu vas pas me jouer à l'IM, quand même. Les gars, j'ai un HP depuis 4 kills, quand même. Ah, ça y est, ils m'ont fini. Vous voyez, là, l'effet. Là, ici, on spray. Est-ce qu'on peut duck, toujours? On peut toujours duck. On peut toujours duck, on va un peu en mouvement. On peut toujours, ils ont pas changé les mécas. Hein. Le jeu est bien les gars, vraiment. Vous voyez les effets des... Non, le jeu est incroyable. Il y a un effet
Il y a un effet visuel en fait. Je sais pas comment expliquer, mais... Par contre, quand vous touchez pas à la cave, vous touchez pas. C'est... Ça y est, hein. C'est vraiment l'arme. J'ai l'impression qu'elle a un recul. Tellement... Le son du Glock. Ah ouais, vas-y, je vais acheter un Glock. Allez, hein, je vais te finir au Glock. Non. Ah ouais, le Glock. Mais attends. Mais c'est pas un Glock. Mais c'est pas un Glock, frère. C'est un Tech 9. Pas un Glock, ça, frère. Le Glock est trop beau, par contre. Hein. Regardez l'effet des stickers et tout, là, sur la lumière. Non, mais frérot, laisse-moi parler à mon chat, là, beau gosse. Alors autant le bruit, ça me fait penser au CSGO, à la bêta. Qui c'est qui a joué à CSGO, à la bêta de CSGO? Au tout début de CSGO. Le premier CSGO là, quand il est sorti en bêta là. J'ai l'impression le Glock c'est ça. Hein. J'ai l'impression le Glock c'est ça les gars. Oh non, par contre ça tire droit. Hein. Ils pourront jamais le laisser comme ça. C'est impossible, c'est impossible. C'est un Tech 9 frère. C'est un Tech 9 le Glock les potes là. Attends, tac, je vais le prendre le Tech 9. Vous voyez même le Tech 9 comment il est joli. Oh non, ça tire tout droit là, c'est pas possible. Possible là. Oh non, ça c'est le Tech 9 de 2015. Quand on est low, je le vois pas trop sur le HUD. J'ai pas l'impression d'être low en fait. Vous voyez là en bas à gauche. Il y a pas une nouvelle manière de shoot, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins le spray d'avant en fait. Ah mais c'est ça qu'ils ont fait, c'est tout. On peut moins spray par rapport à avant, je trouve. Le recul par... Il y a un peu plus de résistance sur le recul. Et j'ai l'impression qu'on peut moins spray que sur CSGO. Tout simplement. Alors quand t'es dans des contacts comme ça, je veux bien. Mais quand t'es loin, il y a moyen que... Ça va tapping, ça va faire des rafales. Ah, désolé mon frère. Par contre, le bunny, j'y arrive pas. Ah non, j'y arrive pas le bunny. Attendez, là... Non, ils ont fait un truc au bunny là, c'est pas possible. Ah si, c'est bon. On peut tirer un peu en courant. Toujours la vélocité. Rentre-moi, vous voyez là, il y a des parasites visuels là. Voir mon ombre ici. Laisse-moi tranquille toi. Voir mon ombre ici, voir mes yep ici. Mon cerveau, il n'est pas habitué. Vous voyez là, là, quand je vois mon ombre à droite, j'ai l'impression d'avoir une vision et d'avoir des parasites. Et mes yeux, ils regardent un peu en périphérie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est très bizarre. Quand je regarde en bas et tout, c'est très bizarre. Tant donné que sur CS, t'as jamais... T'as jamais eu ce genre de truc, c'est très 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 bizarre. Vous voyez quand je fais ça là, comme ça là, c'est très bizarre. Bonne sensation, le tir qui touche à mort. Audio, enfin tous les effets sonores et tout, on est dans l'univers CS, on n'est pas perdu. Même s'il y a des nouveaux sons et tout, de la profondeur, de la résonance, tout ça, mais moi j'aime bien. Visuellement, tout est propre, vraiment, tu sens que c'est un upgrade de ouf. Les balles traçantes, les effets des impacts du sang, de la poussière et tout sur D2, des impacts dans l'architecture et tout, des petites explosions, tout ça, j'aime bien.